Jai Ho, Om Jai Ho, Suga Jai Ho, Usurami Molikoi, Maksa Orezo, Jerami Mora Imofruza, Isere Varo, Maksa. You are welcome on Japama Moon, on Dutbek Adim Yetimon. Bonne arrivée à chacun de vous. La gloire de Jésus soit ton partage au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. We love you, Jesus. Thank you, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, thank you, Lord. Thank you, Lord. La la la. S'il vous plaît, connectons-nous massivement. Connectons-nous massivement ce matin et partageons la vidéo. Partageons cette vidéo jusqu'aux confins de l'univers. Bonne arrivée à tous ceux qui sont là pour la première fois. C'est notre espace à la lumière des Écritures. Que Dieu te bénisse. Bonjour à Colette Divine. Bonjour au prophète David. Bonjour à Laure Gerline. Bonjour à Marie à Beaumont. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment exceptionnel que nous avons passé. Nous prions que ta faveur soit notre partage. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, sois notre source d'inspiration et donne-nous un entendement de disciples pour comprendre ta parole afin de bâtir ton royaume. Que la gloire te revienne. Seigneur, je prie pour toute personne qui a des problèmes, qu'elle reçoive la solution à ces problèmes au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, par la grâce du Seigneur Jésus, nous sommes là et à Douala, nous allons clôturer le programme qui a commencé dimanche. Aujourd'hui et dimanche prochain, ce sera extraordinaire. Vous voyez. Par la grâce du Seigneur, nous allons clôturer ce programme avec une soirée de signes, de prodiges et de miracles. Comme j'ai dit hier, ceux qui ont des surpoids, prennent des surpoids, on va arranger ça ce soir. Ça sera une soirée de démonstration parce que j'ai expliqué en quoi consiste la divinité d'un enfant de Dieu. Et j'ai expliqué que l'échec du peuple de Dieu vient de ce que la majorité des enfants de Dieu échouent à définir des dieux. C'est ça le problème. C'est-à-dire que nous faisons le christianisme humain et non pas le christianisme divin. Et c'est pour ça que le christianisme n'a pas de puissance. Le peuple de Dieu, le monde ne ressent pas la répercussion de notre existence. Lorsque vous faites une étude comparative avec les saintes Écritures, vous voyez que 12 apôtres ont bouleversé l'histoire du monde. Jésus lui seul a bouleversé des générations tout entières. Mais cependant, nous avons des milliers et des milliers d'apôtres aujourd'hui dans le monde et de prophètes. Mais cependant, nous n'avons pas atteint l'impact que 12 apôtres ont pu avoir. Jusqu'à aujourd'hui, il y a cela plus de 2000 ans aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que les apôtres ne faisaient pas le christianisme pour faire le christianisme. Non, non, ils faisaient le christianisme pour marquer leur génération et ils faisaient le christianisme à partir de leur divinité. Donc, les gars fonctionnaient dans le plein droit que leur octroyait la divinité. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, on n'est pas des dieux, on est des humains. C'est des humains complètement humains, on est finis. L'humanité nous tue. La vie charnelle, les choses charnelles nous emprisonnent, nous embrigadent
Et c'est aussi pour cela que nous ne sommes pas puissants, ni efficients, ni efficaces dans notre génération. Normalement, lorsqu'on dit que quelqu'un est né de nouveau, un né de nouveau suffisait pour troubler toute une génération. Mais aujourd'hui, nous sommes tellement nombreux, des millions et des milliards, mais cependant, aucun impact. Au contraire même, on a même l'impression que quand les gens deviennent enfants de Dieu, là, la malédiction tombe sur leur tête. C'est là que les blocages commencent même. On le dit parce que parfois, vous voyez, il y a les gens qui étaient bien, quand ils étaient païens, quand ils ont cru, immédiatement, les gars sont devenus comme des aliénés. À cause de quoi? À cause du genre d'évangile qui t'est prêché. Quel est l'évangile qui t'est prêché? Le tout n'est pas d'appartenir à une église. Pose-toi la question de savoir quel est le message de l'évangile qu'on me prêche. Il y a des églises qui sont plus que les cimetières. Vaut mieux tu meurs, on t'enterre que d'être membre dans cette église. Il y a des églises dont la doctrine, au lieu de t'aider à t'épanouir, à être délivré et à sortir de tes prisons, t'embrigade plutôt, t'empaquette, t'embouteille dans des doctrines qui sont des prisons pour les chrétiens, dans des doctrines qui empêchent aux chrétiens de s'épanouir, dans des doctrines qui empêchent aux chrétiens d'accéder à la divinité, dans des doctrines qui empêchent aux chrétiens d'aspirer à l'excellence. Donc le problème n'est pas que non, je suis dans une église, je me sens bien, tu te sens bien, d'accord, il n'y a pas de problème. Quel impact ta vie donne à ta génération, à ta famille même? Prenons d'abord l'impact local qu'est ta famille. Depuis que tu es dans cette église-là, ta famille a déjà rendu quel témoignage de toi? Quel impact as-tu apporté dans ta famille? Qu'est-ce que l'enseignement que tu reçois a comme impact sur toi-même d'abord? C'est ça le problème. C'est pas que non, je suis né catholique, mes parents étaient catholiques, mes ancêtres étaient catholiques, je suis né catholique, je veux mourir catholique, ou je suis né protestant parce que mes parents étaient protestants. On a dépassé ce temps-là, mes amis. Le temps où la religion est héréditaire, c'est fini. Ce temps est passé. Oh non, je suis musulman parce que mes ancêtres étaient musulmans. Le problème n'est pas d'être musulman ou bien chrétien ou bien je ne sais pas toi quoi, pentecôtiste ou bien catholique. Le problème, c'est quel est l'impact que l'enseignement que tu reçois a sur ton présent et sur ton avenir et sur ton éternité. Il faut se poser cette question. Donc, les chrétiens doivent se... Il est temps que chacun de nous se pose cette question-là. L'église où je me trouve là, quelle est la qualité de l'enseignement que je reçois? Est-ce que cet enseignement me permet de marquer ma génération? Parce qu'en fait, le but des Saintes Écritures, c'est que le chrétien marque sa génération. C'est pour ça que Jésus-Christ va beaucoup insister pour que ceux qui l'écoutaient soient des personnes de référence, des personnes de renom même, oui. C'est ça que Jésus-Christ dit que « Humeis estetes alas tes ges » « Vous êtes le sel de la terre ». Vous voyez, il amène les gens à comprendre leur valeur. Et à comprendre l'investissement de Dieu en eux. Dieu n'investit pas pour toi, en toi, pour que tu sois un zircon, pour que tu sois un loubar, pour que tu sois un maboule, pour que tu sois un zozo ou un zazou, ou je ne sais plus quoi. Vous voyez. Donc c'est ça en fait le problème. Ça veut dire que l'évangile en toi ne fait pas de toi un rikiki, mais l'évangile doit faire de toi une mastodonte. L'évangile doit te booster, à briller. Il dit, « Umej este tofos ton cosmo. » Vous êtes la lumière du monde. Donc Jésus poussait les gens. L'évangile qui prêchait amenait les gens à comprendre qu'ils étaient, révélait à son auditoire l'identité et l'investissement de Dieu en eux. Ça veut dire que comme j'ai écouté l'évangile là, « Ah, moi je suis la tête et non la queue. Mon ami a bon, je suis le sel de la terre. De même qu'une nourriture fat n'a pas de goût, le monde sans moi n'aura pas de goût. » Vous voyez, ils comprennent que Dieu, Jésus les mettait au centre du monde, au centre de la vie de leur génération. Ils étaient la plaque tournante de leur génération. Il leur enseignait l'excellence. Un chrétien, c'est l'excellence. L'excellence sur le plan comportemental, l'excellence sur le plan vestimentaire, l'excellence sur le plan moral, l'excellence sur le plan du travail. Ça veut dire que où tu travailles, tu dois être la tête et non la queue. Tu dois être excellent. C'est ça qu'il faut dire aux frères. Et puis, vous voyez, le ministère aujourd'hui aussi, c'est l'appel à l'excellence. Nous avons besoin d'être excellents dans ce que nous faisons. Tant que vous n'êtes pas excellent, vous ne marquerez pas votre génération. J'ai entendu causer avec un homme de Dieu tout à l'heure et on partageait sur les difficultés qu'il a dans son ministère. Et puis, je lui disais qu'en fait, il m'a dit qu'il était dans un long jeûne. Je lui ai dit qu'en fait, l'histoire, ce n'est même pas le jeûne. Hein. Le jeûne est important, mais il n'est pas trop important hein, pour marquer sa génération. Hein? Le jeûne, ce n'est pas ça. Je lui ai dit qu'en fait, le ministère est basé sur des lois. Et il faut maîtriser les lois
Parce que imaginons-nous, je lui ai dit par exemple que, imaginons-nous quelqu'un qui veut être prospère et riche en Jésus. Il a donné sa vie à Jésus et puis on lui a enseigné la Bible. Et puis, le gars va prendre 40 jours de jeûne pour devenir riche. Tu vas aller au sommet de toutes les montagnes pour devenir riche. Mon ami, tu vas t'amaigrir, tu vas mettre ta santé en danger, tu vas mettre tes organes vitaux en danger et tu n'auras jamais la richesse. Pourquoi? Parce que en fait, la richesse, selon Dieu, bibliquement, il y a une loi. Elle est là de Genèse, Apocalypse. Tu n'as pas besoin de jeûner et de prier pour devenir riche. Tu as besoin d'appliquer une loi qui a déjà été mise là pour toi. Didomi, kajidote setai humin. Donnez et il vous sera donné. Point barre. Il n'a pas dit jeûner, il vous sera donné. Il n'a pas dit prier, il vous sera donné. Les gens, aujourd'hui, pratiquent un christianisme charlatan. C'est-à-dire que c'est le charlatanisme et non pas le christianisme. Tu vois quelqu'un qui vient à l'église, il a l'argent dans sa poche. C'est un exemple que je donne. Et on prie, on prie, on prie. Quand on dit prions libération des hôtels de pauvreté, les hôtels de pauvreté sont une réalité. Il y a des familles où on pratique la sorcellerie pour que les enfants de tel ou bien de tel ne soient jamais riches. C'est réel. Vous voyez que, en fait, la pratique de sorcellerie et la manifestation de la sorcellerie autour de nous, dans nos familles, chacun d'entre nous a côtoyé la sorcellerie de près ou de loin, au moins une fois dans sa vie. Et l'existence de la sorcellerie vous prouve que l'existence du monde des ténèbres est réelle et que le monde spirituel est aussi une réalité. À partir de ce moment-là, il faut comprendre que le monde spirituel, les enfants de Dieu, est aussi une réalité. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des êtres spirituels. Voilà pourquoi tant que nous n'avons pas atteint la divinité, c'est l'effort que j'ai cette semaine avec vous. Tant que tu n'atteins pas la divinité, la manifestation de la divinité, tu seras un homme. Tu vas opérer dans ton humanité et rien ne marchera dans ta vie. C'est pour ça qu'il y a tellement de plaintes parmi le peuple de Dieu aujourd'hui. Parce que nous n'opérons pas à partir de la divinité. Donc, au lieu de prier, c'est-à-dire que tu vas voir un enfant de Dieu, il prie. Mais à l'heure de faire maintenant, d'appliquer la loi qui ouvre les portes des finances, Didomi, Kadidote, Setaï, Rumin, c'est que Jésus-Christ a dit de lui-même, le frère va préférer garder son argent, retourner avec, que de bâtir un hôtel avec le Seigneur, que de mettre un sacrifice devant l'Éternel, que de donner pour recevoir. Il va se contenter de la prière. Et puis la provision qu'il avait va s'éboucher. Et après, les problèmes vont encore revenir et il n'y aura plus même le peu qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas bâti un hôtel devant le Seigneur. Donc, pour être riche, il faut donner. C'est tout. Tu n'as pas besoin de jeûner et de prier. Tu as juste besoin de pratiquer la libéralité. Et je vous ai montré que la preuve est simple. Lorsque vous regardez, « Wa innamerazen wa annabarakin niasmal yallaw el folazo berostei kafedan » Quand vous regardez, par exemple, les musulmans, je vous ai donné l'exemple des musulmans. C'est une loi universelle. Ceux qui pratiquent la libéralité, qu'ils soient enfants de Dieu ou pas, seront bénis par le ciel. C'est un peu le principe de la pluie et du soleil. Dieu fait tomber sa pluie sur les bons et sur les méchants. Il fait lever son soleil sur le juste et sur l'injuste. C'est un peu ça la réalité. Donc celui qui pratique la libéralité sera béni. La Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête à son créateur. Donc ne dis pas le croyant chrétien qui prête aux pauvres donne à son créateur. Non, celui qu'il soit croyant ou quelle soit sa religion, celui qui pratique la libéralité, c'est une loi universelle divine, il sera béni. C'est ça que vous verrez que même parmi vos enfants, faites l'observation si vous ne l'avez jamais fait. Faites l'observation parmi vos enfants. Vous remarquerez que l'enfant parmi vos enfants qui est libéral, qui aime donner, qui aime partager, qui est trop gentil, c'est toujours celui qui réussit. Même les enfants, c'est-à-dire que celui qui, on lui donne, il dit, je donne pas tel, à la fin, dans sa vie, il souffre. C'est celui qui est toujours gentil là, c'est lui qui devient le parapluie de la famille. Parce que c'est une loi universelle, elle marche automatiquement. C'est un peu comme lorsque tu appuies sur un interrupteur, la lumière s'allume directement. La lumière ne te demande rien d'autre que d'appuyer sur ton interrupteur. C'est la même chose, ceux qui pratiquent la liberté, c'est une loi. Mais les chrétiens aujourd'hui veulent pratiquer la sorcellerie, ça veut dire qu'on veut faire le maraboutage. On veut gêner, le prophète a mis la main sur moi pour qu'elle soit riche. Pourtant, quand on te demande de s'aimer, tu ne peux pas. Tu ne veux pas, tu dis que je n'ai pas beaucoup. Mais tu vas multiplier dans le peu que tu as là, comment, si tu ne commences pas par là? C'est une loi spirituelle. La Bible dit que si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, qui vous confiera les grandes choses? C'est-à-dire que si dans le peu que Dieu te donne, tu ne peux pas être fidèle dans les dîmes. Il y a les enfants de Dieu qui, depuis qu'ils sont nés de nouveau, n'ont jamais payé la dîme. Ils n'ont jamais donné de dîme dans l'église. D'autres, Dieu les a tellement bénis, hein, ils n'ont jamais donné pour offrande un billet de 10 000 francs.
C'est pour cela que j'amène cette éducation-là dans notre ministère, amener les gens à comprendre que Dieu n'est pas pièce prête. Cette malédiction et cette image mauvaise, nauséabonde, fallacieuse, diabolique, qui a été donnée à l'Église au point de donner lieu à un adage, pauvre comme la souris d'Église, nous devons changer cela. Pourquoi la pauvreté doit-elle être l'identification de l'Église? Pourquoi on ne peut pas se nous identifier comme un peuple excellent, comme réellement la lumière du monde, comme réellement une ville située au sommet d'une montagne, comme réellement le sel de la terre? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas atteindre ce niveau? Pourquoi est-ce que nous, nos milieux là, c'est un peu, ça veut dire c'est sombre, l'obscurantisme, l'esprit rétrograde, la rétrospective. En fait, pourquoi c'est toujours ce qui est négatif qui doit nous accompagner? Mais il faut un peuple qui soit un germe neuf, un germe nouveau, qui voit les choses différemment et qui dise non, assez c'est assez, ma lumière doit briller. Parce que je suis né de nouveau et que je suis un Dieu, je veux manifester ma divinité, je veux impacter ma génération. Combien de chrétiens meurent? On n'en parle même pas, on n'est même pas au courant de leur mort. Oh, normalement, ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer, mes amis. Un chrétien est un être spécial, un être unique en qui la divinité, l'ADN de Dieu agit. À partir de ce moment, la médiocrité, l'échec, la pauvreté, la misère ne viendraient pas du milieu de nous. Mais ces choses-là viennent, pourquoi? Parce que nous ne voulons pas appliquer nos cœurs à mettre en pratique les lois de la divinité. C'est ça la réalité. C'est ça la simple réalité. J'ai dit que les musulmans, vous voyez, par exemple, les musulmans, ils mangent hors de leur maison, dans le djaouler ou à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on leur enseigne que quand tu manges, il y a quelqu'un qui a faim, tu lui refuses à manger. Vraiment, Allah subhanahu t'empêchera d'entrer au ciel. Et les gars prennent ça très au sérieux. Ils mangent dehors pour que la veuve, l'orphelin et l'étranger qui passent puissent venir s'asseoir et manger. Mais les chrétiens, tu enseignes un chrétien pour qu'il te donne l'eau à boire, c'est difficile. Normalement, même à la maison chez toi, quand tu manges là, il doit avoir un plat vide. Le plat de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger. Au cas où quelqu'un arrive, qui s'assied et qui se serve. Quand tu prépares dans la nourriture, quand tu donnes la nourriture à ta maisonnée, il doit toujours avoir un reste de nourriture que tu gardes pour la veuve, l'orphelin et l'étranger. Au cas où il y a quelqu'un qui entre chez toi et qui a faim. En fait, ces principes-là te donnent la richesse. Ce n'est pas la prière, le jeûne. Nous avons voulu spiritualiser tout. Il n'y a rien de spirituel dans les principes de la richesse spirituelle, la richesse divine. Non, il faut pratiquer la libéralité. Quand tu vois quelqu'un qui n'a pas, prends dans ce que tu as, le peu que tu as là, donne. Ne minimise jamais le peu que Dieu t'a donné. Ne dis pas que non, je n'ai pas assez, quand j'aurai beaucoup, je vais donner, tu n'auras donc jamais beaucoup. Parce que tu dois d'abord prouver ta fidélité à Dieu dans le peu que tu as. Tu dois prouver l'amour de donner, la libéralité dans le peu que tu as. Si tu ne partages pas les 500 francs que Dieu t'a donné avec quelqu'un qui n'a même pas 50 francs, ce n'est pas quand Dieu te donnera 100 000 francs que tu partageras. L'esprit de partage ne dépend pas de la quantité qu'on a, mais c'est un état d'âme, c'est un état d'esprit, c'est un état de cœur. Celui qui a la libéralité en lui, qu'il est peu ou qu'il est beaucoup, il va toujours partager. Et c'est ce genre de personne que Dieu veut. Parce qu'en fait, la richesse divine, c'est un business avec Dieu. C'est un business. Ça veut dire que Dieu ne peut pas investir dans une personne qui ne peut pas aussi investir dans la vie des autres. Dieu aime traiter avec ceux qui peuvent investir dans la vie de ceux que Dieu veut atteindre. Et Dieu t'utilise comme un instrument pour atteindre d'autres personnes. Ouais, c'est un peu ça le principe qui est simple. On doit comprendre ces choses-là. Et j'ai expliqué que ce soir, ici à Douala, j'ai enseigné sur la divinité. Pourquoi? Parce que mon souci, c'est que les chrétiens doivent revêtir la divinité de Christ. La divinité que Jésus nous a donnée, c'est un héritage qui est là, mais on ne veut pas l'utiliser. Mais dans le ministère, on ne s'en sort pas. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas manipuler la divinité, on ne sait pas se revêtir de la divinité de Christ. Dans tes affaires, mon ami, tu ne peux pas, en tant que chrétien, venir me raconter que le marché est dur. Le marché ne devrait pas être dur pour toi en tant qu'un Dieu. Non. Psaume 82, verset 6, dit que nous sommes des Ben Elohim. Nous sommes des Elohim, Ben Elohim. Nous sommes des dieux, fils du Dieu très haut. Hein? Des Elohim, Ben Elohim. Nous sommes des dieux, fils du Dieu très haut. Dieu ne peut pas engendrer des hommes. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Ta mère et ton père, ma mère et mon père, ils nous ont engendrés comme hommes. Lorsque Dieu nous engendre, il nous engendre comme Dieu. Dieu n'engendre pas un homme. Un Dieu n'engendre pas l'homme. Dieu engendre les dieux. C'est ça l'ADN de Dieu. Voilà pourquoi il dit, Osoide elabon auto, et doken autois exousian tegna teyu genestai. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être accouchés de Dieu. Hein? Osoide elabon auto, à tous ceux qui l'ont reçu.
Et donc, un autorise Tegna Teyu Genestai. Et donc, un autorise Exusian Tegna Teyu Genestai. Il leur a donné le pouvoir d'être accouchés de Dieu. Et quand ils sont accouchés de Dieu, c'est de Dieu qui naissent en réalité. Vous voyez. Donc, mais il y a tellement de confusion dans l'enseignement de la Bible, dans l'Église aujourd'hui, que ça perturbe même finalement les gens qui viennent à l'Église. Ils ne savent même plus qui ils sont à la fin. Ouais. Donc, normalement, il faut savoir cela. Nous sommes de Dieu. Et c'est pour cela que ce soir, j'ai expliqué qu'à Douala, ça sera très chaud. Je vais prier. Littéralement, les vergetures vont disparaître sur les femmes. Tout à l'heure, à partir de 16h. Je vais aller très tôt à l'église aujourd'hui. Peut-être 16h30, je serai en train de prendre la parole déjà. Parce qu'on aura beaucoup de choses à faire. Non, je vous dis la vérité. Les femmes, les hommes qui souffrent de surpoids, pèse-toi à la maison avant de venir à l'église. Je veux prier. J'ai demandé au pasteur de m'acheter, ne pèse personne. Je veux prier au nom de Jésus-Christ. Vous allez voir ça en direct. Les femmes et les hommes qui souffrent de surpoids, même ceux qui sont connectés en direct, en ligne, vont perdre le poids directement, ceux qui ont la foi. Parce que c'est un peu ça. Tu ne peux pas bénéficier des choses spirituelles si tu n'as pas la foi. La divinité, c'est dans la foi, la manifestation de la foi. La foi, l'apôtre Paul a dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Vous voyez. Donc, c'est les humains qui marchent par la vue, mais les dieux marchent par la foi. Nous, on fonctionne dans l'invisible. La foi, c'est pour l'invisible, et la vue, c'est pour le visible. Donc, si tu fonctionnes avec la vue, tu ne verras rien de Dieu. Parce que Dieu n'est pas visible, il est invisible. Pour voir donc dans l'invisible, ou bien bénéficier des puissances invisibles de Dieu, il faut que tu opères dans l'invisible. Et pour opérer dans l'invisible, la clé, c'est la foi. Donc, tu ne peux pas manifester la divinité si tu ne crois pas. C'est ça la vérité qu'il faut que chacun de nous puisse comprendre et cerner. Donc, la soirée d'aujourd'hui, ça fait longtemps que je n'ai pas eu ce genre d'opération d'esprit. Ça fait très longtemps. Et je pense qu'il faut que j'aille dans cette dimension maintenant. Il faut que je vous amène là pour que vous compreniez ce que Dieu a mis en nous. Et parfois, nous ne faisons rien de cela. J'ai dit que je vais prier. Les femmes qui ont les vergetures, ça va disparaître. Après, ça va prier, tu pars aux toilettes, tu vérifies. Le protocole doit être bien organisé aujourd'hui. Je viens vous montrer comment la divinité chrétienne fonctionne. Comment ça doit marcher, comment il faut appliquer cela. Les gens qui ont les boules vont venir. Je vais prier, vous repartez. On attend la vague, elle va revenir. On va voir ce qui va se passer. Les gens qui ont des imperfections corporelles, on va ordonner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai fait une démonstration hier sur un papa qui était paralysé et qui ne voyait pas. J'ai montré aux gens comment la divinité doit être fonctionnelle et comment celui qui reçoit le miracle. Et pour entrepasser, en fait, je peux manifester la divinité. Il faut que celui qui reçoit le miracle ne reçoive pas par la vue, mais par la foi. La personne doit aussi entrer dans le divin. On doit se rencontrer dans les sphères divines. Ouais, c'est là-bas qu'il faut comprendre. Donc, pour que les gens comprennent que la puissance-ci n'est pas pour les hommes de Dieu seulement. Vous voyez, c'est aussi là une conception fallacieuse du christianisme aujourd'hui. Les gens sont convaincus que les démonstrations d'esprit, c'est pour les prophètes, c'est pour les hommes de Dieu. Non, c'est pour nous tous. Il dit, « Osoide et la bonne auto » à tous ceux qui l'ont reçu. À tous. Il n'a pas dit les apôtres, ni les prophètes ou les pasteurs seulement. Tu peux même être un apôtre ou un prophète. Si toi-même, tu ne manifestes pas la divinité, tu seras un homme quelconque. Donc, c'est une science qu'il faut maîtriser. Ce n'est pas donner à une catégorie de personnes, c'est donner à tous ceux qui croient. Donc, toi qui me suis, tu es un Dieu. Ce n'est pas ton pasteur qui est un Dieu pendant que toi, tu es un humain. Et ça, cette doctrine-là, cette manière-là, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont induit le peuple de Dieu en erreur. Vous savez, c'est pour cela que j'aime être naturel. Et je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Et je ne peux pas changer. Non, non, je ne changerai pas. Je vous dis la vérité. J'aime être naturel. J'aime partager mes témoignages. Ça veut dire que vraiment mes faiblesses, je les partage avec les gens. Je dis, voici, un jour j'ai échoué dans tel domaine. Voici, comme ça. Et parfois les gens... Pourquoi? Parce que c'est important que le peuple comprenne que son dirigeant est un homme comme lui. C'est dangereux lorsque un homme de Dieu s'est fait passer pour Dieu Tout-Puissant. Et que le peuple voit une distanciation entre lui et son pasteur et croit que son pasteur est un homme parfait, que son pasteur est Jésus, que son pasteur est Dieu. En ce moment-là, nous ne sommes d'aucune utilité au peuple. On décourage plutôt le peuple. Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que leur pasteur ne va pas aux toilettes. Hein. Parce que le pasteur a tellement mystifié sa personne que le peuple ne connaît rien du tout de lui. Le peuple donc se dit qu'il ne va pas aux toilettes, il ne mange même pas. C'est-à-dire que le poids qu'il prend là, c'est l'onction qui le maintient. C'est ça la vérité.
Oui. Oh, c'est une grave erreur. Le peuple devrait connaître notre humanité pour être encouragé. Donc mes défaites, je n'ai pas honte de raconter mes défaites. Parfois, il y a des hommes de Dieu qui sont même mal à l'aise. Lorsque je partage certains témoignages, pour eux, non, tu ne vas pas partager ça avec le peuple. Et j'ai dit non, il faut faire attention. Il faut faire attention de tomber dans la doctrine du nicolaïsme où nous nous érigeons, c'est-à-dire on montre aux gens que nous sommes parfaits, on n'a pas de faiblesse, on n'a pas d'erreur, on ne commet jamais d'erreur, c'est faux. Je préfère que vous me preniez comme je suis, que tu comprennes que je suis un homme de la même nature que toi et que si j'ai vaincu une faiblesse, toi aussi tu peux le faire. Donc que je me bats aussi comme toi, je suis aussi tenté comme toi. J'ai aussi des épreuves comme toi. J'ai aussi des douleurs comme toi. Je peux pleurer comme toi. Je peux avoir faim comme toi. Je peux faiblir dans la prière comme toi. Lorsque tu comprends ça, mais que tu vois comment je me démarque, comment je me bats, tu comprends qu'il y a un espoir. Il faut se battre et l'impossible sera possible. Donc pour moi, c'est ça. Ça veut dire que je me souviens que quelquefois, je suis sorti, il y a mes bien-aimés, des hommes de Dieu qui m'ont vu en babouche. Qui ont dit, ah non, comment tu peux sortir avec les babouches? Ou bien je marche, parfois quand je marche à pied, et ah non, comment tu marches à pied? J'ai répondu à quelqu'un hier qui suis né avec la voiture. Je ne suis pas né avec la voiture, mon ami. Je ne peux pas refuser, oublier mes origines, oublier ce que je suis, dans quelle famille je sors, de quelle famille je sors, dans quel background j'ai grandi, pour aujourd'hui montrer aux gens que je suis en haut, au-dessus d'eux. Non, je ne veux pas de cela. Pour moi, ce n'est pas important, sincèrement. Je préfère être l'homme que je suis. Vraiment, tu m'aimes comme je suis, tu me prends comme tu me prends. Ou tu ne veux pas, tu laisses tomber. Il y a tellement d'hommes de Dieu dehors là-bas, tu peux avoir le modèle que tu veux. Mais moi, personnellement, je dis et je le répète, un homme de Dieu doit éviter de mettre une distanciation. C'est-à-dire qu'il doit éviter de mystifier sa personne, de mystifier sa personne. Parce que le piège, c'est quoi? C'est l'idolâtrie. C'est-à-dire que tu finiras par faire que les gens t'idolâtrent. Et le danger, c'est quoi? C'est que la gloire qui doit revenir à Jésus reviendra à l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu sera vu comme Dieu et Dieu sera inexistant. Et c'est pour cela que la fin de plusieurs hommes de Dieu est mauvaise. Et il faut savoir que l'intégrité maintient le ministère. C'est l'intégrité qui nous maintient debout. C'est-à-dire la pérennisation du ministère est dans l'intégrité. L'intégrité, c'est la fidélité et la loyauté à Dieu. Prouver à Dieu que je suis un serviteur inutile. Voilà pourquoi Jésus a dit que lorsque vous avez fini de faire ce que vous avez à faire, ça veut dire que opérer des miracles et prophétiser. Je ne peux pas m'appuyer sur le don de la prophétie pour prendre avantage sur les gens et leur montrer que je suis supérieur à eux ou bien que je suis un surhomme ou un suprahomme. Non, je ne suis pas un suprahomme, mes amis. Je viens de manger mon couscous gombo tout à l'heure. Un bon couscous gombo que ma petite soeur Aïssat Oumar m'a fait. Bien fait. Avant de faire l'émission aussi. Donc si je viens, vraiment, je suis un homme. Et je vous dis la vérité, bien-aimé. En tant qu'homme de Dieu, la conscience de ce que Dieu fait à travers nous, nous perd. Je répète, la conscience de ce que Dieu fait à travers moi me perd. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux enseigner, c'est quoi? C'est que lorsqu'un homme de Dieu s'appuie sur ses réalisations, il va aller à la déviation. Lorsqu'un homme de Dieu s'appuie sur, oh, c'est moi, c'est pour ça que vous allez voir les hommes de Dieu, la guerre des hommes de Dieu sur les réseaux sociaux. Je suis le premier un, numéro un, en telle chose. Il n'y a pas comme moi qui fait ceci. Hormis moi, personne ne fait ceci. Non, dans le domaine de la prophétie, c'est moi le numéro un. Et lorsqu'on parle de l'homme de Dieu, ah non, vraiment, le meilleur des meilleurs, le numéro un mondial, on s'en fout de ça. Numéro un mondial en quoi d'abord? Toi, tu sais combien d'hommes de Dieu opèrent dans une dimension plus que toi, qui n'ont pas la télé et qui ne sont même pas connus, qui respectent le conseil que Jésus a donné, que lorsque vous avez fini d'opérer, mettez-vous face contre terre et dites, je ne suis qu'un serviteur inutile, je ne fais que ce que je devrais faire. C'est ça un vrai pasteur, c'est ça l'authenticité d'un vrai homme de Dieu. L'humilité est la caractéristique de la maturité d'un homme de Dieu. Il faut comprendre cela. Donc, mais lorsque on veut, je suis le premier, mon église est la plus grande. Et c'est ça qui va sauver les gens. Nous sommes bénis en quoi? On est bénis en quoi? C'est moi le plus grand prophète de l'Afrique ou bien du monde entier. Je suis numéro un. Et au lieu de rendre ministère pour la gloire de Christ, tu te retrouveras dans une compétition d'hommes, une compétition charnelle qui n'avantage en rien le royaume de Christ, ni toi-même non plus. Donc, et là, il faut que les gens comprennent. On est des hommes susciités parmi des hommes
pour être des dirigeants, des chefs de 100, des chefs de 1000, des chefs de 10 000, etc., etc., etc. Et il est important que chaque homme de Dieu fasse attention de la manière dont il fait le ministère. Il ne faut jamais oublier où tu as été pris. Jésus nous a pris. La plupart d'entre nous, même manger, nous dépassait. Lorsqu'on regarde même tes talons à l'époque, là, c'était fendillé, comme l'arbre qui est asséché par la sécheresse. Jésus te prend et il me prend, il nous amène, il nous met, il nous positionne. Maintenant, tu fais comme si tu ne vas pas aux toilettes, mon ami. Comme si toi, tu ne vas pas dans les WC. Il faut faire attention. C'est un piège. C'est très dangereux. C'est pour cela que beaucoup de ministères finissent mal. Parce que Dieu finit par quitter. Parce que tu as pris en otage la place de Dieu. Un vrai homme de Dieu, c'est-à-dire qu'un homme de Dieu qui cherche la gloire de Christ, doit arrêter qu'on lui donne des noms. Homme d'hôtel, ou bien numéro one, number one et tout ça. J'ai dit que ça, c'est l'enfantillage. C'est de l'enfantillage et c'est charnel. C'est des choses charnelles, des choses qui perdent, des choses qui n'édifient pas le peuple, qui ne t'édifient pas en tant qu'homme de Dieu, mais au contraire, qui risquent de glorifier le diable. C'est des choses dangereuses pour l'Église. Moi, je suis arrivé au Burkina Faso. Moi, je le dis à partir de mon expérience. Je suis arrivé au Burkina Faso et j'ai prophétisé. La première, c'est en 2017. Le frère m'appelait Major One, Major quoi quoi. Il y avait des noms. D'autres même m'appelaient Witchkilla, etc. Les gens m'ont donné tous les noms. La nuit, dans mon hôtel, je ne dis pas que je rêvais. Je ne rêvais pas. Le Seigneur Jésus-Christ m'est apparu. Il m'est apparu dans ma chambre d'hôtel, vêtu de blanc, avec des souliers aux pieds. Triste. Triste. Et il m'a demandé, Ferdinand, lorsque tu prophétisais hier, et les gens disaient, Major, Major, number one, numéro un, meilleur des meilleurs, ça voulait dire quoi? Et j'ai dit au Seigneur que ça veut dire, Seigneur, tu sais que nous, on est jeunes, on aime le mouvement. Et puis, il n'a rien dit, il n'a pas répondu. Il m'a dit que sache que d'autres ont fait ça avant toi. Et j'ai retiré mon don d'eux. J'ai retiré mon don. Et ils sont redevenus aveugles, comme lorsque je les avais pris. Parce que la grandeur, la mégalomanie. Et le Seigneur Jésus m'a dit clairement, lorsque je te dis de parler à mon peuple, dis ma parole et ne cherche pas à toucher à ma gloire. Sinon, je retirerai mon don de toi et tu redeviendras aveugle comme avant. Mais Dieu vous dit ça, mes amis, tu es fou pour continuer. Le jour-là, je suis allé, j'ai même comme retrouvé le culte là, pardon, que les enfants voient la campagne de 2017. Je suis arrivé là-bas à la maison du peuple à Ouagadougou. J'ai demandé pardon en public et j'ai interdit à tous mes enfants désormais, depuis 2017, que quand je prenne, m'appelais plus Major One, ne me donnez aucun nom parce qu'en fait, mon nom, ça ne devait pas être Major One. Ou bien, je ne sais pas quel est le nom, le numéro 1 des numéros 1. Le nom que Jésus-Christ a donné à ses serviteurs, c'est serviteur inutile. Je ne suis qu'un serviteur inutile. Je n'ai fait que ce que je devrais faire. C'est fini, point barre. J'oublie. Vous voyez. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas ça. Et c'est à cause de toutes ces choses-là que la gloire de Dieu quitte son peuple. La gloire de Dieu a quitté au milieu de nous. Parce que nous faisons les choses non plus pour Dieu. Vous voyez. Pour moi, sincèrement, le ministère, il n'y a rien de compliqué dedans. Il n'y a rien de mystique à l'intérieur. Non, je veux être moi-même. Je veux opérer comme j'opère. Je veux être l'homme que je suis. Je ne vais pas me faire passer pour ce que je ne suis pas. Non. Je préfère mieux que vous connaissiez mes faiblesses que de vous faire croire que je n'ai pas de faiblesses. Le jour où vous allez découvrir, c'est fini. Le jour où vous allez découvrir mes faiblesses, vous allez dire, ah, donc le type, c'est aussi avec les faiblesses. Non, je préfère. Quand je suis content, tout le monde sait que je suis content. Quand je suis fâché, tout le monde sait. Moi, quand ça vient, je parle. Simplement. Donc, c'est ça. Tu me prends comme tu me prends, c'est bon. Tu ne veux pas, ça ne te plaît pas, c'est bon. Mais c'est mieux que tu saches comment je suis. Donc, vous comprenez bien aimé. Et je suis en train d'expliquer que j'ai conférence des hommes de Dieu à partir de la semaine prochaine à Douala. Lundi, mardi, mercredi. Nous serons à Douala la semaine prochaine. Et à Yaoundé, ce sera jeudi, vendredi, samedi de la même semaine, la semaine prochaine, nous allons partager des choses fortes, des choses profondes. Donc, que le Dieu qui nous a appelés soit votre force. Donc, pour dire quoi? Cette soirée, je vais vous montrer ce que c'est qu'un Dieu. Comment ça fonctionne? Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas comment manifester la divinité en eux. Ils ne savent pas comment jongler entre l'humanité et la divinité. Comment je dois être homme? Comment je dois être Dieu? Comment est-ce que je dois bénéficier? Parce que l'héritage spirituel que Dieu t'a donné se trouve dans ta divinité et non pas dans ton humanité. Tu ne peux pas tendre la main physique pour prendre ce qui est invisible. Non, tu dois tendre la main invisible. Hein? La main invisible pour tendre, pour prendre ce qui est invisible.
Donc, bien aimé, nous devons savoir comment utiliser notre divinité. Ce soir, je vais vous donner une leçon pratique. Tous ceux qui ont les appareils gâtés, apportez-les. Tous ceux qui ont les appareils, téléphone gâté, frigo gâté, téléviseur gâté, tout ce qui est gâté, gâté. J'ai dit, ceux qui seront dans la salle ici à Douala, venez avec vos téléphones, les appareils gâtés ce soir. Et je vous montre comment ça fonctionne. Moi, je vais déclarer à partir de ma position de la divinité de Christ en moi. Et toi qui reçois, tu dois quitter ton humanité pour entrer dans ta divinité. Et on doit se croiser dans l'invisible et on rendra possible dans l'invisible ce qui est impossible dans le visible. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Donc, je vais prêcher rapidement sur la foi ce soir. Mais en 30 minutes, vite sur la foi et on entre dans les démonstrations. Donc, ceux qui ont des appareils gâtés à la maison, quand le direct sera en train de passer ce soir, touche ton frigo ou ta télé ou je ne sais pas ton ampoule ou n'importe quoi. Quand je vais ordonner au nom de Jésus, après avoir changé les décrets et les situations, les positions spirituelles, maintenant on va ouvrir le témoignage, la part de témoignage, les gens vont témoigner pour les appareils. Ceux qui sont connectés en direct, le standard sera ouvert et je veux que l'équipe de Zoé Channel comprenne bien ce que je suis en train de dire. Qu'on prépare cela, un téléphone avec le micro, bien, dès avant que j'arrive, que tout soit branché. Les gens dans leur maison, quel que soit le pays où vous me regarderez ce soir, à partir de 16h, vous allez voir, Dieu va se manifester pour t'encourager, pour que tu comprennes qu'en fait la divinité, c'est une réalité. Ce n'est pas le jeu. Les gens qui ont le poids, même à la maison chez vous, l'habit qui vous sert, vous allez sentir comment l'habit sera ample sur vous par la manifestation de la divinité. Juste pour t'encourager à savoir que la mort de Jésus sur la croix n'est pas vaine. Mon ami, Dieu a tellement investi pour que tu sois bien. Mais comme tu ne le savais pas, à partir de maintenant, tu le sais et tu dois prendre la chose à cœur. Et l'échec n'est pas ton partage. La maladie n'est plus ton partage, la malédiction n'est pas ton partage, etc., etc. Toutes ces choses-là, ces mensonges du diable doivent quitter ta vie et ta maison dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ce soir ne manque pas. Tous les habitants de Douala, s'il vous plaît, retrouvons-nous en Dogbon ce soir et chacun avec son nom. Nous allons prier lavement de la face pour déchirer le voile de la honte. Le voile, voilà quelqu'un dit que j'ai une voiture en panne. Ça c'est bien, j'ai une voiture en panne, ça c'est bien. Faites votre direct à côté de votre voiture. Après ça, vous allez démarrer la voiture. Si vous avez la foi, l'impossible deviendra possible. Donc nous serons servis de lavement de la face pour déchirer le voile de la honte. La honte dans ta vie sentimentale, dans ta carrière, dans tes projets, dans ton ministère, etc., etc. Toi qui ne pourras pas être là physiquement, prends la bouteille en direct quand j'en lave la face et que je fais des proclamations pour déchirer le voile de la honte de ta vie, de ta famille, de ton mariage, de ta carrière, de ton travail, de tes études, de tes projets, de ton commerce, de tes affaires. Alors, les anges de délivrance se répandront partout dans le monde entier où les gens seront connectés tout à l'heure pour apporter la délivrance aux maisons, aux foyers, etc. Si tu aimes quelqu'un, parle-lui de ce programme de tout à l'heure. Dis-lui d'être connecté afin de partager avec nous la grâce de Dieu. Je vais vous faire cette démonstration pour que les gens comprennent qu'en fait, Jésus a tellement investi en nous que nous ne devons pas être au niveau où nous sommes aujourd'hui. On ne devrait pas vivre dans cette médiocrité. On ne devrait pas vivre dans cette promiscuité. Et on ne devrait pas vivre dans ce manquement. On ne devrait pas vivre dans cette paupérité généralisée. Il est temps que tout le monde, en tant qu'enfant de Dieu, se lève pour briller. Que chacun se lève pour donner un goût à cette génération-ci. Dieu compte tellement sur toi. Oh, mon Samsung S9, je crois, papa, voilà, c'est gâté. L'autre dit quoi? Dit que mon laptop est ressuscité maintenant au nom de Jésus-Christ. Voilà, donc c'est ça. On va suivre vos témoignages en direct. Je vais ouvrir le standard juste pour les témoignages ce soir. On va voir, vous allez voir ce que le nom de Jésus-Christ est capable de faire. Et vous comprendrez combien vous avez perdu à chaque fois. Vous avez refusé d'utiliser ce nom. Vous avez perdu votre temps dans les soucis, dans les lamentations, dans les plaintes, à monter, à descendre, à gauche et à droite. Il est temps que tu te concentres sur toi-même, sur la divinité et sur l'œuvre de Christ sur la croix qui t'octroie cette divinité. Que le Seigneur te bénisse au nom précieux et souverain de Jésus. Ce vendredi, nous avons atmosphère de miracle à Yaoundé. Laissez-moi vous faire la démonstration de la divinité cette semaine et ce mois. La Bible, nous avons dit le thème de ce mois, c'est quoi? Je ne serai pas un sujet de honte dans ma génération. Habitant de Douala, de Yaoundé, je ne vais pas longtemps parler. 16h à la bille, ne manque pas ce vendredi. Et dimanche, double culte, Yaoundé, Douala, Yaoundé 7h30 et à Douala, ce sera à partir de
16h. Et le pèlerinage sur le mont Kolafamba, du 1er au 4 décembre. Tu n'as jamais fait le pèlerinage. S'il te plaît, prends ton badge. Et les badges ne se vendent pas sur Facebook. Quiconque vous contacte, vous envoie des amitiés au nom du prophète Calme Ferdinand, ce n'est pas moi. Quiconque vous demande les offrandes, ce n'est pas moi. Quiconque vous dit qu'on vante un celui de faveur, ou bien sur Facebook, ou bien les badges, ce n'est pas moi. C'est dans nos églises, en physique et en réel, en présentiel. Donc, les badges, prenez déjà vos badges, s'il vous plaît. Prends ton badge, n'entre pas en 2022 sans avoir passé le temps d'évangile pour préparer cette année, s'il te plaît. J'ai dit, celui qui a remporté les batailles au sommet de la montagne a déjà remporté les batailles dans la vallée. Donc, ne manquez pas, achetez déjà vos badges, c'est 10 000 francs le badge. Dans toutes nos églises, les badges sont déjà disponibles. Prends ton badge et sois avec nous du 1er au 4 décembre sur le mont Kolafamba pour le pèlerinage annuel en préparation de l'année 2022. N'entre pas dans cette année sans le conseil de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Les habitants de Bertois, la semaine sur prochaine, je serai à Bertois pour notre culte familial. Et à Kribi, ce sera la semaine prochaine. La semaine prochaine, on sera à Kribi. Que Dieu te bénisse, que sa main soit ta force. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Love you, shalom.